Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains de mes déchets du quotidien pour en faire des objets utiles. Cette vidéo est ma première vidéo de l'année, donc je tiens à toutes et à tous à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vais commencer cette vidéo par recycler une bouteille de vin, donc c'est une bouteille en verre que je vais customiser avec des pics en bois. Ce sont des pics à brochettes trouvés chez Carrefour, mais on peut également en trouver chez Action. Je vais utiliser de la colle à bois que j'applique tout autour du bas de ma bouteille et j'y pose dessus, j'y colle dessus mes pics en bois tout simplement. Une fois que tous mes pics sont sur la colle, je fais en sorte qu'ils soient correctement tous bien placés. Pendant le temps de séchage, pour être sûr qu'aucun de mes bâtons ne bouge, je pose deux élastiques. Une fois qu'ils sont posés, je laisse tout sécher pendant quelques heures. Et une fois que mon temps de séchage est passé, je les enlève. Je vais ensuite chercher de la corde que je vais coller au bas de ma bouteille sur environ 2 cm. Maintenant que c'est collé, je coupe. Voici ce que j'obtiens. Je place ma bouteille debout. Je viens mettre un petit point de colle ici, donc environ 3 cm par rapport au début de mes pics. J'y colle dessus un morceau de ma corde. Et je vais venir serrer le tout, tout en enroulant ma corde autour de mes pics en bois. Donc les premiers tours sont un petit peu compliqués à faire. N'hésitez pas à vous faire aider si cela est possible. Et une fois que le tout est correctement serré, on va enrouler jusqu'à ce que l'on ait complètement recouvert le haut des pics en bois. Donc on n'hésite pas à remettre un petit peu de colle de temps en temps pour être sûr que la corde ne se sauve pas. Une fois que l'on a recouvert le tout, on découpe. Et donc le tour est joué, voici un petit vase très rapide et très facile à réaliser qui en plus de ça est vraiment très joli. Je continue maintenant avec ce tube en plastique transparent. Donc c'est un tube dans lequel se trouvait une poupée Barbie que ma fille a eue de la part du Père Noël. Donc j'ai utilisé ce tube, mais vous allez voir qu'on peut utiliser tout autre type de peau qui va ressembler à ça. On peut également utiliser, pourquoi pas, une bouteille en plastique, hein, tout simplement. Donc cette bouteille, ce tube, je l'ai découpé et j'ai pris des perles en bois que j'ai tout simplement collées tout autour, les unes à la suite des autres. Voici ce que ça donne une fois que mon premier tour de perles est réalisé. Il y a les trous des perles qui me dérangent, donc je les ai tous bouchés tout simplement avec de la pâte auto-durcissante que j'ai trouvée chez Action. Voici ce que ça donne une fois que tous les trous sont bouchés. Et donc je vais répéter l'opération en posant mes perles en quinconce jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert mon tube. Une fois que j'ai tout posé, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à passer à la peinture. Donc j'ai utilisé une peinture blanche mate que j'ai appliquée sur l'entièreté de ma pièce. Voici ce que j'obtiens une fois que ma peinture est appliquée. J'ai terminé ce petit pot qui va me servir de vase dans lequel du coup je vais y mettre une petite plante artificielle.
Je continue avec ces trois petites boîtes de conserve. Donc là, on est sur un mini format, mais j'aurais très bien pu utiliser un plus grand format de boîte. Donc ces boîtes, je vais dans un premier temps commencer par les coller les unes aux autres. Pour cela, j'ai utilisé de la colle chaude. Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. Je vais maintenant prendre un morceau de simili-cuir que j'aurais pu remplacer par un morceau de papier. Ce simili-cuir, je le trouve chez Action. Donc je vais y poser dessus mes boîtes, comme ceci, et avec un crayon, je vais tracer les bords. Donc mes arrondis qui se trouvent au niveau des extrémités, comme ceci. Je vais maintenant, avec une règle et mon crayon toujours, venir relier le tout. Je vais ensuite, de nouveau, reprendre mes boîtes que je pose correctement à l'intérieur de mes tracés et je vais cette fois-ci marquer les arrondis comme vous pouvez le voir à l'image tout simplement. Une fois que c'est fait, j'enlève mes boîtes, donc j'obtiens ceci, je vais continuer à tracer mes arrondis. Et une fois que c'est fait, je mets mon morceau de simili-cuir de côté. Je vais poursuivre avec mes boîtes que je vais couvrir avec du raffia tressé. Raffia que vous pouvez trouver sur la boutique rotinfilet.com. Je vous mettrai le lien de ce raffia en barre d'informations sous cette vidéo. Donc mon raffia, pour le coller, j'ai utilisé de la colle chaude. Voici ce que ça donne une fois que j'ai posé ma première bande. J'ai ensuite répété l'opération de façon à recouvrir le tout. Je mets ça de côté pour l'instant. Je retourne chercher mon morceau de simili-cuir, donc je découpe. Une fois ma première découpe faite, je prends un stylo et à environ 1,5 cm du bord, je viens retracer mes cercles. J'ai fait ça sur mon premier cercle, mais également sur le deuxième et le troisième, de façon à obtenir ceci. Et une fois que c'est fait, je découpe mes cercles tout simplement à l'aide de ma paire de ciseaux. Donc je découpe au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc voici ce que ça donne une fois que j'ai découpé le premier cercle. Je découpe également le deuxième puis le troisième, de façon à obtenir ceci. Cette pièce, je vais maintenant la coller à ce niveau sur mes trois boîtes de conserve. Pour cela, j'ai utilisé une colle forte type super glue. Une fois que mon simili-cuir est posé, voici ce que ça donne. J'ai terminé cette pièce qui va pouvoir servir soit de peau à crayon, mais qui pourrait également très bien servir de petit pot pour y placer des petites fleurs artificielles. Je poursuis cette vidéo avec le recyclage de cette brique de lait. Donc je vais commencer par découper à ce niveau-là, donc tout autour, de façon à obtenir ceci. Ensuite, j'ai découpé 4 morceaux de carton qui font les dimensions de ma brique de lait que je vais coller tout autour de celle-ci avec de la colle à bois. Une fois que c'est collé, voici le résultat obtenu. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus rigide. Je vais ensuite, dans de la pâte auto-durcissante, rouler un boudin que je vais poser à ce niveau-là de façon à réaliser cette forme.
Je continue avec deux autres petits boudins avec lesquels je vais réaliser cette fois-ci des lèvres. Je les pose à ce niveau-là, je coupe mon excédent de pâte. Je poursuis avec de nouveau deux petits boudins et cette fois-ci, je vais réaliser un œil. Je le place ici. Donc là, ça ne tient pas sur mon morceau de carton. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé avec une colle forte. Et une fois que ça a été collé, je suis passée à la peinture. J'ai utilisé un mat de couleur blanc. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. J'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à placer dans mon vase une jolie petite plante artificielle. On continue et termine cette vidéo avec le recyclage d'une petite coquille comme celle-ci. Donc pour la customiser, j'ai utilisé du papier DecoPatch. Ça aurait très bien fonctionné également avec une serviette en papier. Il m'a également fallu de la colle. J'ai utilisé de la colle à bois, mais si j'avais eu, j'aurais pu utiliser de la colle spéciale DecoPatch. J'ai utilisé un pinceau et un petit peu de peinture dorée. Donc pour commencer, j'ai appliqué ma colle partout à l'intérieur de ma coquille. Une fois ma colle posée, j'ai pris un morceau de mon papier que j'ai tout simplement collé à l'intérieur de ma coquille. Une fois mon papier posé, je vais de nouveau prendre ma colle et je vais le recouvrir entièrement. Une fois que c'est fait, mon papier étant fragile à cause de la colle, je vais pouvoir le déchirer. Une fois que c'est fait, je viens coller le tout correctement au niveau des bords. Et après ça, je laisse sécher, donc ce sera sec quand ma colle sera devenue complètement transparente comme ceci. Pour un petit peu de fantaisie, j'ai pris de la peinture dorée que j'ai appliquée tout autour de ma coquille. Et donc voilà, j'ai terminé ce qui va me servir de petit porte-bijoux. Donc j'en ai réalisé deux en tout. Ça peut servir, comme je vous le dis, de porte-bijoux ou bien de petit vide-poche. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, cette vidéo va être terminée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez également la liker et la partager si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye !